Oh, d'accord. Oh, waya. Wako wagi. Comment je leur donne des claques? Ah, ah, ah. Ouvre-moi. Ah, c'est Missy Kissy. Va casser. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Merci beaucoup, cœur sur vous. Hey, comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Et quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour faire enfin la suite de Poppy Playtime chapitre 2. Nous allons avancer dans l'histoire, dans l'aventure. Aujourd'hui nous allons découvrir nouveau mini-jeu Mommy Long Legs avec des Huggy Wuggy sont de retour. Ils sont vraiment très méchants, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, le chapitre 2 est vraiment génial. Avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Hey, quelque chose à vous montrer, yeah. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une paire de baskets que j'ai acheté sur le site Zavi, un site qui fait un peu du merchandising, des produits geeks, tout ci tout ça, pour célébrer les 30 ans de Sonic déjà, hein, c'est le 30e anniversaire de Sonic, regardez ce beau fond d'écran comme il est magnifique avec tous les personnages et le docteur Robotnik le méchant. Ils ont sorti une paire de baskets Akedo à l'effigie bien de Sonic, hein, notre hérisson préféré. Alors c'est pas du tout les chaussures que je porte d'habitude, hein, c'est pas l'ultra boost d'Adidas, c'est un peu plus comme on va dire des Converse. Ouh, j'ouvre parce que ça fait du bruit ce papier. Voici donc les baskets Sonic Akedo qui sont bien sûr bleus, hein, évidemment le bleu de Sonic, c'est pratiquement le même, c'est bien sûr ma couleur préférée. Sur la languette il y a le petit logo de Sonic avec quelque chose écrit en japonais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous parlez japonais, bah merci de me dire, hein, ça serait cool, peut-être qu'il y ait écrit simplement Sonic. Ici à l'arrière de la languette bien sûr il y a le logo Sonic le hérisson de Sega, c'est un produit officiel, hein, licensed by Sega. Ici la petite languette également bleue. Nous avons le logo de Sonic qui est juste ici. Bon, bah la semelle est classique, hein, Akedo. Et puis les lacets sont bleus. Donc vous voyez, ça fait vraiment Converse, hein, le style un peu montante. Voilà, je sais pas si c'est archi méga confortable. Ça reste des Converse, des baskets. Voilà, on fera peut-être pas la découverte de l'Himalaya avec. Mais en tout cas, pour marcher en ville, je pense que c'est suffisant. C'est du coton, je crois. Il y a peut-être la fabrication ici. Non, voilà, c'est du 42. Et bah écoutez, c'est très sympathique pour célébrer les 30 ans déjà de Sonic. Il y a également des hoodies qui sont sortis, je crois que j'en avais acheté un, mais voilà, je vous montrerai peut-être. En tout cas, je voulais vous montrer ces baskets parce que c'est cool, c'est original d'avoir Sonic à ses pieds. Est-ce que je marcherais aussi vite que lui avec ça? Pas sûr, parce que les siennes, elles sont rouges, hein, de chaussures, donc je pense pas que ce soit les chaussures de vitesse. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, moi ça me fait plaisir, j'aime bien, je suis fan de Sonic, hein, vous le savez, j'y joue depuis le tout premier. Donc bah, écoutez, dites-moi si vous aimez ces baskets, et maintenant, back to the video. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Les commentaires justement viennent de cette vidéo. C'était la première partie de ce nouveau chapitre Poppy Playtime. Ça vous avait énormément plu, en même temps on l'attendait tellement. Le premier commentaire vient de Will qui me dit: coucou Max, ça fait toujours autant plaisir de voir tes vidéos. J'attendais impatiemment la partie 2 du chapitre 2. Tu gères tout, j'attends que ça. Merci beaucoup Max, cœur sur toi. Bah merci à toi, en fait tu as dit j'attends impatiemment la partie 2. C'est vrai que bah voilà, elle est là aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à me dire bah vous avez hâte que je fasse la suite. Mais moi je fais exprès de faire durer le plaisir et je vais pas tout faire d'un coup. Donc aujourd'hui on a ça et la semaine prochaine on aura la dernière partie à mon avis, hein, je pense, à moins que le jeu dure 4 heures, mais je ne pense pas. Le deuxième commentaire vient de Sun qui me dit: j'adore, j'avais si hâte, j'ai une question. Tu penses faire une vidéo cache-cache dans SCP 3008 sur Max Gaming avec Pink et Victor avec la new mise à jour? Ce serait top et trop drôle, je t'adore, bisous. Merci beaucoup, merci pour ta suggestion et merci de me suivre également sur Max Gaming. Si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Max Gaming, on fait une vidéo par jour et je dis parce qu'on est en vocal avec Pink et Victor, c'est trop drôle, on fait plein de jeux, du Roblox, du Fortnite, c'est génial, et on fait du SCP 3008, et oui, bonne idée, on va refaire du cache-cache sur SCP 3008, parce qu'avec la nouvelle mise à jour, il y a plein de nouveautés que j'ai pas encore tout vu, donc on en fera, vous inquiétez pas. Et le troisième commentaire vient de Emmy Magic, qui est membre de la Super Max Family, merci à toi et merci à tous les membres, et elle me dit: coucou Max, oh là là, j'avais tellement hâte de la suite de Poppy Playtime, enfin la sortie du chapitre 2, il est juste génial, ce nouveau chapitre. Je sais pas si tu as remarqué, mais Poppy a l'air gentille malgré le fait qu'elle soit creepy. Elle a l'air de vouloir nous aider, mais bon, avec ce jeu on ne peut pas savoir qui va nous croquer ou non. C'est vrai, tu as raison, merci pour ton commentaire. Moi aussi j'étais très surpris de Poppy en fait au début, qui est pour l'instant très gentille, hein. Même limite on a pitié pour elle parce qu'elle s'est fait attraper par Mommy Long Legs. Donc bah on verra bien la suite, hein, ce que nous réserve la suite de cette histoire. Est-ce que Poppy est vraiment gentille ou méchante? Bah, je le découvrirai en même temps que vous, puisque je ne me suis pas spoilé, hein. Je ne vais pas voir les vidéos, je découvre le jeu en même temps que je joue, que vous
vous me voyez jouer. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant, on va s'installer dans l'espace gaming pour retrouver bah, l'ourson et la suite, surtout du chapitre 2 de Poppy Playtime. Alors suivez-moi, let's go! Wouh, ça y est, je suis assis, l'ourson est là, tout le monde est prêt, le micro, mes doigts pour jouer au clavier. On va retrouver bah, Poppy Playtime, chapitre 2, la suite. Je ne me suis pas spoilé, je n'ai pas été voir des vidéos, vous le savez. Moi, j'aime bien découvrir et vous montrer mes réactions en live. Donc, eh bien, on va continuer de là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire dans une espèce de grande salle avec plein de jouets. Alors, bah, j'y joue sur PC. Toi, tu laisses un max de likes. Je compte sur vous tous pour exploser le compteur des pouces bleus si ce chapitre vous fait plaisir. Et si vous aimez que je le fasse, c'est parti, let's go! Nous voici donc dans l'écran d'accueil de Poppy Playtime, chapitre 2, même si c'est pas écrit, hein, bizarre, ils auraient pu rajouter pas chapitre 2 et tout, mais bon, ce n'est point grave, puisque quand on clique, c'est écrit là, chapitre 2, Fly in a Web. Alors, on fait chargement de la partie, c'est parti, let's go, ça c'est pour aller au store directement, si vous avez le jeu, vous cliquez, vous allez sur le store officiel pour acheter le merch de Poppy Playtime, chapitre 2, et voilà. Ah bah, mon ton change, parce que là, disons, ça y est, on est replongé dans l'horreur, et bon, alors on était sorti de par une petite... un conduit d'aération, je sais plus où, par là, je crois. On est arrivé ici, et on dirait une espèce d'entrepôt géant où ils gardent les jouets. Alors, peut-être aussi des prototypes, parce que regardez, donc là, il y a écrit « damage », ça veut dire « abîmé ». Hein, voilà, il y a des jouets comme ça qu'on n'a jamais vu. Le « poopselot », donc c'est un jouet qui apparemment est sur des toilettes. Attendez, on va essayer de le mettre droit, voilà. Ah bah, non mais, coucou. Donc c'est un écureuil habillé en costume qui est sur des toilettes. Alors attendez, comment... qu'est-ce qu'il dit? Voilà, sympathique, hein. Voilà, il est sur les toilettes, tout va bien, regardez. C'est... moi j'aurais bien aimé avoir ce jouet, hein. J'avoue, je suis un gros gamin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est le meilleur moment d'aller aux toilettes? À poo 30. À caca et demi, en fait. C'est, bon, la maturité. Alors, il y a ici des petites affiches qui nous disent que certains jouets ont été rejetés. Ah ouais, ils n'ont pas passé le contrôle qualité-sécurité. Notamment Owen the Oven, Owen le four. Pourquoi il a été rejeté? Puisqu'il y a plein d'enfants qui ont été brûlés au troisième degré. Voilà, donc super, hein, un jouet qui brûle les enfants, hein, c'est lui. Bonjour Owen. Ouais. Oh là. Ah ben, je peux te déplacer Owen, visiblement. Et tu es un peu lourd Owen. Bon, je vais te laisser là. Nous avons ici un autre jouet qui a été rejeté, c'est Kick Me Paul, frappe-moi Paul. La raison, personne ne l'aimait. Tout le monde a rigolé pendant qu'on a révélé l'existence de Kick Me Paul. Ok, bon bah écoute, ça doit être lui, hein. Hop, 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 hop. Le pauvre. Bon, ça se fait pas. J'aime bien. Y a plein de jouets différents. Bon, ceux-là, on les connaissait déjà. Hein. J'ai entendu un bruit, non? Oh, c'est quoi ce jouet doré? Hé hey, comment on fait? Attends, il faut que j'arrive à grimper. C'est qui? Oh, mais c'est Huggy. C'est Huggy. Ah, est-ce qu'on va retrouver Huggy? Attendez, si on retrouve Huggy dans le chapitre 2, moi... Ah, m'a fait peur, ce dinosaure. Il est géant. J'aime pas les trucs géants. Attendez, il faut que j'arrive à grimper ici. Comment on... Arrête. Et là, pousse-toi là. Voilà, Huggy. Au moins, tu me sers à quelque chose. Oh, mais on peut pas. Ah. Je peux pas. Bon. Écoutez, il y a plein de jouets. Il y a des fleurs en haut, regardez. Jolie fleur. Enfin, jolie. Tout est relatif, hein, bien évidemment, mais bon. Oh, j'ai envie de me balader dans toutes les allées, voir... Ah. Il y a elle. Il y a la vilaine. Ah, la vilaine. Attendez, parce que je crois qu'il y a un truc où on... Ouais, c'est le dinosaure, regardez. Wanna hear a dino joke? Click once for the question. Click again for the punchline. Oh, d'accord. What do you call a dino with one eye? Comment appelez-vous un dinosaure avec un œil? Un œil. Bah, je sais pas. Do you think he saw us? Do you think he saw us? Est-ce que vous croyez qu'il nous a vus? Voilà le nom du dinosaure avec un seul œil. Bon, bref, c'est de l'humour de Poppy Playtime. Oh, regardez, il y avait des jouets comme ça avec des singes, mais là, c'est des Huggy Huggy. Vous aviez eu ça, les singes qui étaient qui se tenaient par les mains de toutes les couleurs? Bon, alors, un autre jouet rejeté, une boîte qui s'appelait le 018345. Toute la fabrication, enfin, tout le stuff, enfin, tous ces jouets qui ont été fabriqués ont été décolorés. Parce qu'il y a eu un saboteur qui a... fait des trucs à la machine de peinture. Oh, c'est quoi? Regardez, c'est les Huggy. Quelque chose me dit qu'on va revoir Huggy, hein. Regardez, pourquoi il y a des boîtes de Huggy Bon, un autre jouet, Barello Huggy. Ah, pourquoi il a été rejeté, Barello Huggy? Parce que les enfants l'avalaient et s'étouffaient. Ils pensaient que c'était des bonbons. Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait assez le tour. Ah, là,
Sœur Pou... Ah bah, notre ami qui est sur les toilettes. Il a eu des réceptions négatives de famille. Ok, et le management a dit, nah, celui qui a eu cette idée devrait avoir honte. Voilà. Voilà le genre d'ambiance qu'il y a dans cette usine. Bon bah apparemment je peux pas passer par là, super, merci beaucoup, on va passer par ici. On va aller par là parce que regardez, il y a une petite station électrique pour une porte. Oh, une cassette. Il faut que je trouve la cassette bleue. Regardez, n'importe quoi, ils ont joué. Oh, c'est quoi ça? Wait, capacité. Ah, il faut que j'enlève lui. Ah oui, mais je peux... Comment je l'enlève? Pousse-toi. Pousse-toi. Bon, je peux pas le pousser. Ah, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Oh. Elle nous attendait. Ok, on comprend pas. Ah, est-ce que tu veux être mon meilleur ami? Je suis pas sûr avec une voix pareille. Bon, alors qu'est-ce que ça fait ça? Attention. Eh ben, je peux pas. Ah! Là, il y a Poupselot. Là, il y a une balle. Comment? Elle est où la cassette bleue? Ah! C'est quoi ça? Ma! Il fait peur ce jouet! Ah non, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, alors, la cassette bleue. C'est une cassette turquoise. Elle est où la cassette turquoise? Je suis sûr qu'elle doit être cachée quelque part par là. J'ai pas de lampe. Moi, je vois pas grand-chose. Hey, alors là, il y a un panneau qui nous dit que Mommy Longlegs, hein, donc le monstre de ce chapitre 2, a été rejeté également, puisqu'elle faisait trop peur. Voilà, super. Bon, je vais prendre ça. Est-ce que je peux virer... Ah! Ah bah voilà! Il fallait baisser ça. Alors, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça a fait du coup? Là-bas, regardez, il y a un autre. Ok, j'ai compris. Bon, on va prendre ça et on va le mettre là-haut. Regardez, mais va-t'en. Oh, je suis coincé. Comment je fais? Allez, vite. Et hop. Non, j'ai pas été assez vite. Ben oui, mais j'étais coincé. Donc voilà, j'ai pris l'électricité. Je lâche. Et je l'ai et j'y vais. Tac, tac, et je la mets là. Oui. Ah oui, maintenant je peux le contrôler. Alors attendez, il faut que je retourne là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, attendez, attendez. On va essayer de le contrôler par ici. Ah, il faut que je le fasse venir d'abord. Ok, en fait, il faut que j'enlève ça. Bon, alors attendez. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Voilà. Ah, je peux faire... Oh oui, regardez. Ah. Est-ce qu'il va pouvoir enlever lui? Attendez, attendez, attendez. Viens ici. T'es pas vraiment en dessous, là? Non, alors, attendez. Je crois qu'il faut le faire venir complètement. On va voir. Et ici, voilà. Oh là! Ah oui, d'accord! Tu fais des zigzags, sympathique. Et bon, on va s'amuser, hein? Allez, viens ici. Voilà. Non mais c'est bien, on déplace la grosse grue. Allez. Sauf que nous on pourra pas. Ah si, on peut passer. Autant pour moi. Allez, on y va. Oui. Voilà. Ici, bravo. C'est super. C'est génial. On fait la maintenance. Allez. Et tu vas venir au-dessus de ça. Oh, heureusement que j'ai regardé en l'air. Comme ça, tu vas pouvoir soulever ce bonhomme. Voilà, parfait. Donc, tiens, tu prends l'électricité. Toi, tu viens là. Voilà. Tu le chopes et tu le soulèves. Eh ben, bravo! Voilà. Et maintenant, tu t'en vas, hein. Hop. Je sais pas que ça affiche. Voilà. Tu le mets là si tu veux. Bah, c'est très bien. Voilà. Et moi, maintenant, bim. Je peux grimper. Bah, voilà. Simple. Sauf que je n'ai pas trouvé la cassette. Ah, j'ai trouvé la cassette. Elle est juste là, en réalité. Voilà! Ah bah super, ça fait 10 minutes que je cherche. Ouh, c'est pas évident. C'est-à-dire que moi, je joue avec moins luminosité que vous, hein, parce qu'en plus, j'ai la lumière devant moi, donc je vois un peu moins bien. Voilà! Aïe! Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est notre ami qui fait ses besoins. Sympathique. C'est une publicité, peut-être, pour le concept? Oh oui! Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, c'est juste ça. Il parle et... Même pas un petit bruitage sympathique? Hein?
to the freaking island of misfit toys. Bah, bah voilà, j'ai eu mon bruitage. Ok, c'est très la maturité, j'apprécie beaucoup. Bien, j'ai bien fait de chercher pendant 10 minutes. Allez, on continue l'aventure. Bah, c'est rouillé ici, hein. Alors, ici, des rails, mais à mon avis, je ne peux point grimper. Oh, c'est beau, hein, regardez les effets de lumière et tout. Oh, magnifique. Nous allons aller par là. Est-ce que je peux faire ça? Non. Oh, les couloirs sympathiques. On est dans l'antre des jouets, on est dans les coulisses. Eh ben, c'est super. Ah, encore une énigme avec des câbles. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Mais alors, où est l'électricité? Oh, ah bah oui, elle est là, je suis bête. Hein? Non, attendez, si je fais un... Tic tic, voilà. Ah, je grimpe par là. Tac. Et comment je fais deux maintenant? C'est une blague. Ah. Bon. Attendez. Réfléchissons. On a lu un. D'accord, ça active ça. Mais attendez. Ça fait quoi si je peux... Comment je fais? Ça marche pas! Ah! Il faut que je le stoppe! D'accord, alors attendez, il faut que je le stoppe. Genre, là! Mais je croyais que ça stoppait! Ça stoppe pas! Oh! Qu'est-ce que c'est que cette énigme encore prise de tête? Hein? Hein? Mais J'ai compris. Faut d'abord faire celui-là, descendre, ensuite on fait celui-là, et ensuite on fait celui-là. Et mais il y en a. Il y a du cerveau, il y a de la matière grise. Ou il y a juste de la chance, hein. Ça je sais pas. Et voilà, et allez, voilà, je dis ça et je n'arrive même plus à grimper. Bon, ça y est, super, bien. Eh oui, c'est logique, il fallait d'abord faire celui du haut et puis après celui du bas. C'est glauque. J'aime pas les petits trucs qui volent, la poussière, là. C'est... Oh, Waya! Ils nous ont refait le coup du... Non! Ils nous ont refait le coup de la fumée, que moi, j'aime pas. Oula! Elle va où, ma main? Ah, elle est là, d'accord. Je me disais, ben, elle a trouvé une faille spatio-temporelle. Waouh, c'est joli. Oh, il s'est passé quelque chose, là. Viens ici. Boum. Bien. Bonjour! Non! Pas une toile d'araignée! Ah! Pas une toile de l'autre méchante vilaine pas belle. Bonjour. Ah, on est... Ah, on est de retour là. D'accord. J'ai compris. Ce qui fait que maintenant, je peux aller activer le jouet numéro 2. Ben oui. Alors, on va activer le deuxième jouet. C'est mardi. Petite musique. Oh, qui m'a donné la permission d'être aussi intelligent? Flatteuse. Ok, ouais. Mommy Longlegs m'a déjà félicité. Oui, oui, oui. D'accord, faut aller en bas. On va faire le jouet, elle nous attend. Ok, c'est quel jouet? What? Ah, Wako Wagi! Oh oh. On va retrouver Aggie? Ah! Aggie! J'arrive, c'est moi! Coucou! Aggie! Aggie? Oh. Waouh! Bonjour! Pourquoi il y a du sable là? Ah, je suis enfermé. Très bien. Bon, bah super. Elle va arriver par là. La vilaine. Ah, petite vidéo. Wako Wagi. Frappe le buggy. Ah. Ah, ça va tester nos réflexes. Ah, on va retrouver la main rouge. D'accord. Autour de nous, il y aura des trous. D'accord. Il y aura des têtes de geeks qui vont sortir. Ah! S'il y en a un qui sort, faut tout avec la main rouge. Avec la main rouge, il y a écrit. Ah oui, mais je fais quoi de la main bleue alors? Bon. What's the time? It's playtime! Ok, avec la main rouge uniquement, hein. Bon. Bonjour, ça va? Tu m'avais manqué. Non. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Où ça? Quoi?
Faut que j'aille où? Faut que j'aille là? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Quoi? C'est quoi ce bruit? Il est là! Je l'ai vu! Là! Ils sortent! Là! Arrêtez! Ils sont où? Mais ils sont où? Là! Je te vois, hein! Je vous vois! Où vous êtes? Ah! Regardez, il y a plein de mini-huggies! Ah! Je panique! Il est où? Là! Je crois que je t'ai pas vu! Va-t'en! Là! Va-t'en! Là! 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 Il y en a trop là! Arrête, madame! Ils sont où? Là! Va-t'en! Comment je leur donne des claques? Là! Où es-tu? Là! Va-t'en! Là! Arrêtez! Ah! Il a failli sortir celui-là! Maman! Là! 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 Ils veulent sortir! Ils m'ont frappé! J'en panique! Je crois que je t'ai pas vu, toi! Et toi, là? Ils sont où? Là! Vilain! 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 Ah! Ah! Il était où, lui? Je suis concentré comme jamais! J'en vois plus. Là. Hein? Yeah. Arrête! C'est stressant! Ils sont tout autour de nous! Arrête! Toi là, tu veux sortir maintenant? Arrête! Qui? Ah! Ah! Un verre maintenant! Mais c'est beaucoup trop dur! Oh, j'ai réussi la première phase, je crois. Maman est tellement fière de toi! Ok? Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'elle... Ah! Oui! J'ai gagné, je crois qu'il allait avoir d'autres rounds. Dis donc, ta main, elle est vachement grande. Mais bon, je la prends. Merci! J'ai un morceau du code. Au moins, tu as la parole. Elle a dit que si je gagnais... Ok. Quoi? Qu'as-tu dit? Oh, maman, elle est triste parce qu'elle veut que je reste ici pour toujours. Bah oui, mais non. Non, non, j'ai un peu un bœuf bourguignon à préparer, donc là, je pourrais pas rester. Désolée, madame. Maman, enfin, toi, araignée, je sais pas. Va-t'en! Ouvre-moi! Faut que je passe par là? D'accord, super. Très sympathique. Pourquoi je peux pas passer par l'autre côté? Ah, j'ai pas envie d'aller dans les coulisses où il y a les huggy-wuggy. On est obligé d'avancer, donc on avance. Merci, bonjour! Oh, quel drôle de couloir. Oh, regardez! C'est magique! Ça apparaît comme par magie! Oh! Un escalier multicolore. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il mène à rien, l'escalier. Bah oui, mais... Comment? Ça va être un jeu de plateforme, là? Comment je fais pour grimper là? T'es gentille, maman, mais je fais comment? Ah! Attendez, la rambarde. Oh là là! Bah oui, mais... Oh, c'est quoi? Oh, un trophée doré! Oh ouais! Attendez, comment on fait pour voir les trophées? C'est par là, je crois. Il est où le... Ah oui! Et c'est Kissimissi en trophée! Je suis content, ravi. Oui, mais comment que... Parce que là, il n'y a plus de... D'accord. Et donc? Ah! Oh ben moi alors. Allez. On se hisse. Ah oui! Et... Allez, attention. 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 Non! Ah! Ok, c'est bon. Youpi! Ah! Bon, non, c'est un peu compliqué quand même. Allez, on cède avec cette main là, finalement. Voilà! Allez, grimpe! Allez! Allez, 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 allez! Ah! Il y avait un trou! Mais non, mais. J'y vais facile! Je vais juste grimper! Ah! Super! Oui! J'ai réussi! Oh, super! Hein? Oh, le petit chat! Click the button!
candy. Oh, appuie sur le bouton pour me nourrir de bonbons. Il est content. Oh non non. More candy. Ok, tiens. Ah, il en veut plus. Je vais lui donner encore. Il a dit j'en veux plus. Bah tiens. Stop. Tiens. Bon, creepy, on va y aller, hein. C'est pas grave. Le chat a mal tourné, je crois. Hein. Bon, on avance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tout comme ça? Bonjour, bonjour. Ah, oh, encore une énigme. Alors, comment je fais pour passer, moi? Ah non, on est là où on était. Attendez, c'est les rails de... Comment je... Ah d'accord, donc là, il faut que j'active ça. Comment qu'on fait? Est-ce que je peux activer ça, par exemple? Non. Là, je passe pas. Bah alors, Et là, je peux plus y aller. Bon, alors tout se passe ici, d'accord? Donc on va trouver, peut-être qu'il faut que j'aille par là, tout simplement. Voilà. Et... Je peux pas m'accroupir. Bon, bah c'est pas par là, visiblement. Bah d'accord. D'accord. Sauf qu'il n'y a plus rien. Attendez, je rêve pas, là. What? C'est qui? Non, non! Pourquoi Yagi? Bonjour! Ça me rappelle des... Ah! C'est Mystic ici! Bonjour! Non! Non, 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 t'es pas obligé d'activer. Non! Elle essaye de... Oh! Non, non, non! Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? T'es sérieuse? Tu t'en vas? Mystic ici nous aide? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mystic ici nous a aidés. Mais pourquoi faire? Dans quelle étagère? À quelle heure? Pourquoi l'huile d'olive? Enfin, je ne sais pas, moi. Mystic? Elle était trop marrante, comment elle a mis sa main toute molle sur le truc. Ah bah, ça marche pas. Ah bah, je vais réessayer. Ah oui, bon. On va peut-être y aller, hein. Mystic? T'es gentil? T'es où? Mystic? Oh non, je t'ai perdu. Bon, on va faire ça. Et ça. Voilà. Ah! D'accord, là. Et là. Ok. Et donc. Ah! Faut que je reprenne l'électricité. Alors attendez. Oh non! C'est encore. Ah bah non, fallait que je passe là. Mais je suis bête, j'étais arrivé à l'endroit. Oh! Mais moi là! Bon, il faut que je refasse. C'est pas. Oh! Ok. Ah non, visiblement, c'est plus complexe que ce que je pensais. Oui. Donc là, je prends l'électricité. Là, je passe. Et... Oh, c'est encore une énigme. C'est encore... Ok. Et si je prends ça... Oh. D'accord. Ok, c'est très compliqué. Donc, on va regarder la cassette. Peut-être que c'est un petit tuto. Parce que là, visiblement, je sens que je vais galérer. Bonjour. Un employé. Oh, c'est la première fois que je vois un humain. Bonjour. Hello. 21 mars 91. Marcus Brickley. C'est quoi cette voix? So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my APRS realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. Il raconte un truc, il se fait interroger par son boss peut-être, mais il a une voix bizarre. Je connais cette voix. On l'a déjà vu dans un des jouets. C'est une voix bizarre, c'est marrant. Ah, il a vu un truc à travers, il a vu un truc qu'il devait pas voir, il a vu un monstre, un truc dans le couloir. Okay. Ah, bah il a vu Missy, Mamie Long Legs, je crois. Il a dit qu'il avait un monstre avec plein de bras et plein de jambes dans le couloir. Et à qui t'en as parlé?
Oh. Il a dit qu'il a demandé à la sécurité de regarder les caméras. Il veut pas le croire. Et en plus, il veut pas qu'il le dise à d'autres. Donc à mon avis, il a mal fini, lui, ou alors il a été transformé en jouet. Parce qu'il a vu quelque chose qu'il aurait pas dû voir. Sors de, hors de ma vue. Il lui a fait hors de ma vue. Bon, allez. Nous allons tenter de faire l'énigme. Donc, on a ça. On a ouvert les portes. Mais maintenant, il faut que j'aille vite pour faire... Alors, attendez. Si je prends ça. Ça. Mince! J'aurais dû passer par le tunnel! Mais moi alors, mais vraiment, mais... Attendez. Et là... Ah! J'ai ouvert ici. D'accord. J'ai plus l'électricité, d'accord. Attendez, je vais voir ce que ça fait. Si je passe par là... Je vais où? Je crois que je reviens à la pièce, là, non? Ah non, je reviens là. D'accord. Bon, alors, le but étant... je sais pas, d'activer ça, peut-être, ou d'ouvrir ça. Alors, attendez, il faut que j'ouvre ça. Donc, on va prendre ça. Tac, 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 tac. J'ouvre ça. Comme ça, au moins, j'ai l'électricité ici. Et là... Ok, j'ai ouvert ici. Ok. Ça va pas se refermer, hein. Non, j'ai tout ouvert. Donc là, le train, il peut passer. Sauf que... Bon, il faut que... D'accord. Alors, attendez. Je vais essayer d'aller par là, donc. Ah oui, ça s'est refermé. Ah bah non. Ah, c'est compliqué, hein, ce truc. Mais on va y arriver. On a un petit cerveau. Allez, hop, tac. Ok. Bon, très bien. Et après? Ah oui, je peux aller là. Alors, on sort où ici? On sort là. Est-ce que je peux le pousser, le truc? Ah bah oui! Ça y est, en fait. Allez, on pousse. Allez, le petit chariot. On te pousse. Maintenant, j'ai tout ouvert. C'est pas très compliqué. Allez, tu sors et tu vas casser les planches. Allez, Barry. Ah oui. Regardez. Super, il tourne par là. Il va pouvoir tomber. Yes. Bon, bah, ça va, hein. C'était pas si compliqué que ça. Fallait juste ouvrir les portes. Attention. Allez, oui! Go! Va casser! Ouais! Oh, pardon les jouets! Sorry, désolé, vous énervez pas contre moi, hein. Bon, moi je passe par là, merci. Ouh! Ça fait quoi si? À mon avis, c'est pas bon si je passe par là. J'ai envie de voir. On peut y aller ou pas? Ciao! C'était pas le bon plan. J'espère que je vais pas devoir tout refaire, hein. Ah! Je n'ai jamais dit que ça allait être facile. Je confirme. Effectivement, nous avons repris d'ici. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir sauter gentiment par là et passer à droite. Ici, là. Voilà. J'y vais en sautant. Je suis un petit mouton. Ah oui. Oh non, mais là, c'est trop sombre. Et là... Ah! J'ai pas vu le tunnel. Oh! C'est le repère. Non, j'aime pas ça. C'est bon, je ressors de là. Ok. On ressort de là. On a gagné. On va activer la troisième lumière. Et hop. Super. Bien, troisième jeu. Ah, tu as joué à ça avant. Tu es trop fort. Est-ce que tu es prêt pour le dernier jeu? Suis maman en bas des escaliers une dernière fois. See you next time. Ok, d'accord, merci. C'est là que ça se passe. C'est statues. Les statues. Bah. Comment je fais? Ah, faut que j'ouvre moi-même. Ah bah d'accord. Allez, on ouvre. Voilà. C'est ouvert. Faut aller aux statues. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce troisième mini-jeu ?
Eh bien, vous savez quoi? Je crois qu'on le saura dans la prochaine vidéo de Poppy Playtime. Je sais, je vous fais le suspense, mais je vais pas tout faire d'un coup. Je pense qu'il me reste encore la même chose, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc la prochaine sera, à mon avis, la dernière du chapitre 2. Mais vous inquiétez pas, on fera d'autres vidéos, vous inquiétez pas, sur Poppy Playtime. Mais bah voilà, génial, cette deuxième partie, trop forte. Il y a encore des énigmes, encore de... Faut se creuser la tête, et puis Missy qui est là. Je ne sais pas pourquoi, pour comment, j'espère qu'on aura des réponses. Alors bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte d'avoir la troisième partie de ce chapitre 2. N'oubliez pas de laisser un max de likes, abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!